La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est une loi pour changer notre quotidien en profondeur. Changer le quotidien des producteurs, le quotidien des consommateurs, bref, le quotidien de tous. Mais pourquoi une loi ? Parce que nos poubelles débordent, le plastique a envahi nos vies, trier est devenu trop compliqué, ceux qui polluent ne paient pas assez, réparer ou réutiliser devrait être plus simple, et parce que nos produits ne durent pas assez longtemps. Et concrètement, ça donne quoi ? La loi anti-gaspillage, c'est d'abord sortir du plastique jetable, en vendant davantage de vrac dans nos magasins, en mettant fin progressivement aux objets et emballages en plastique jetable. C'est aussi mieux informer le consommateur, avec des consignes de tri simplifiées et identiques pour tous, et des informations sur les émissions de gaz à effet de serre de nos consommations internet et mobile. C'est lutter contre le gaspillage de nos ressources en interdisant l'élimination des invendus non alimentaires comme les vêtements ou les produits électroniques, mais aussi en permettant la vente de médicaments à l'unité en pharmacie. C'est aussi agir contre l'obsolescence programmée, avec la création d'un indice de réparabilité pour allonger la durée de vie de nos objets et en facilitant l'utilisation des pièces détachées pour réparer nos produits. Enfin, c'est mieux produire avec la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs et la création d'un bonus-malus pour encourager les produits plus respectueux de l'environnement. Vous l'avez compris, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est nous permettre à tous d'agir pour que le monde tourne plus rond.